renouvelé. Il y a eu une légion. Alors une légion, c'est de 2500 à 4000 hommes. Et pour une légion, il fallait environ une vingtaine d'hectares. Et là-haut, nous avons un camp romain. Nous avons fouillé une certaine partie des fossés. Et il y a 17 hectares de camp romain. Alors on ne sait pas exactement combien il y avait de légionnaires là-haut. Alors, mais il y avait quand même du monde. Et ça, c'était entre l'hiver 52-51 avant Jésus-Christ. Mais une autre légion était à Folleville. Il y a des gens un jour qui ont visité Folleville. On a fait une sortie moto à Folleville pour y voir l'église et le château. Camp romain. Un autre camp romain à Breteuil, entre Breteuil et Étainois. Et Jules César, lui, par contre, eh ben, il est allé à Saint-Maur-aux-Brivas, Amiens. Ben, il est allé au chaud, lui, hein, tant que ses soldats étaient là, comme il donne à se les geler tout le monde l'hiver. Et au printemps, il s'est dit, bon, ben, on va attaquer cette fameuse oppidum, là. Et il a donc fait venir deux légions de la région de Limoges avec son fidèle lieutenant, un de ses lieutenants qui l'a trahi au moment de l'assassinat, d'ailleurs, Lavienus, il s'appelait. Et avec deux autres légions, il est arrivé. Et quand ils étaient ici, ils ont déployé toutes les légions autour. Mais quand les Gaulois ont vu ça là-haut, ils ont vu qu'ils étaient en minorité, ils se sont sauvés. Ils sont partis à Bailleul, Bailleul-sur-Thérain, oui c'est ça, au Mont César. Et là, ils ont rejoint le Bélovade de Beauvais sous l'égide de Coréos. S'il y a des gens de Beauvais ou qui connaissent Beauvais, il y a la rue Coréus à Beauvais. Coréos, et automatiquement, vu la quantité de légionnaires qui les ont attaqués, ils ont été, massacrés, c'est le cas de le dire, et leur chef a été tué. Ensuite, donc, cette ville gauloise a été remplacée au début du 1er siècle de notre ère par une ville gallo-romaine. C'est-à-dire que des Romains sont venus ici pour apprendre aux gens à tailler la pierre, ainsi de suite, et créer une ville. Alors quand on crée une ville à l'époque romaine, ça faisait une ligne nord-sud, qu'on appelle le carto, une ligne est, une route est-ouest, qu'on appelle le decumanus. Et partant de là, toutes les routes sont parallèles ou perpendiculaires. Et il arrive de temps en temps que des édifices publics comme des théâtres, des temples sont perpendiculaires à 45 degrés. Enfin, ça arrive, mais là apparemment ce n'est pas le cas. Alors ce que nous ne savons encore pas, c'est où est le cardo et le decumanus. Au début on croyait que c'était le chemin qui monte ici et la route que nous avons empruntée, mais non, ce n'est absolument pas ça. Et cette année, les fouilles qui vont avoir lieu à l'endroit du forum, justement, vont essayer de retrouver au moins le carto, c'est-à-dire le nord-sud. Et partant de là, on devrait trouver le centre de la ville. Parce que le forum, c'est la place du marché. On devrait en apprendre beaucoup, parce qu'il y a tout autour de la place du marché, il y a des conflits de boutiques. Il peut y avoir aussi bien des brasiers, aussi bien, le boulanger, tous les commerces trouvés sur la place du marché. Mais la partie supérieure était bel et bien en bois. Donc ce mur du premier théâtre a été coupé à différents endroits. Il en trouvait ici, là, forcément, à l'endroit de la porte, des deux portes que je vous ai montrées tout à l'heure. Et il a été retrouvé, je crois, par ici, je ne sais plus, je ne vais pas dire de bêtises. Mais il a été, l'emplacement du mur a été retrouvé, c'est certain. Donc, que dire de ce premier théâtre? Oui, tous les gradins, le Baltéus, l'orchestra, la scène était donc construite au moment du premier théâtre. Non, c'est pas l'appareil. C'est la pierre.